music. Experience. Music. Experience. Ça dépend. Vous êtes infirmier en activité toujours? Oui. Et vous êtes dans quel établissement? Centre hospitalier dans la région parisienne. D'accord, où ça? Pontoise. On attend de quelque chose en particulier? Non. Curiosité juste pour aller voir un peu ce qui se passe. Voilà. Et quand on vous dit le CGOS, est-ce que ça vous parle? Oui, mais c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps. Ça me parle depuis très peu d'années. Ça fait 2 ans. Bon. Vous connaissez alors? Mais je connaissais, mais comme on avait droit à rien à l'époque, on gagnait trop pour avoir un prétendant. Bah, on s'est toujours... C'est qu'on prétendait à rien. On prétendait, c'est ça. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas de gros traitements, hein, soyons honnêtes. D'accord, mais dans les fêtes, enfin, madame, vous expliquez, il y a ce qu'on appelle l'accès à des prestations sans ressources, comme les vacances, les loisirs. Depuis 2 ans, on connaît un petit peu. D'accord. Et là, vous essayez de vous rattraper un petit peu, là. C'est un peu dommage, quand même. Vous êtes professionnel depuis combien de temps? Oh, ça fait 37 ans. Depuis 37 ans, vous ne connaissez pas ces joies? Si, je connais le CGES. Mais pour vous, ce n'était pas fait pour vous. Mais à l'époque, au début, on a fait appel au CGES pour avoir une petite aide pour acheter un appartement. On n'avait pas droit à grand-chose. On doit élargir les prestations à d'autres personnels. Par ça exemple, peut donner du sens au CGES pour voilà. tous. CGES, tout à fait. CGES pour tous, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut élargir encore plus aux contractuels, aux emplois entre guillemets précaires qui font les stagiaires. Par exemple. On a en face de nous une population de plus en plus précarisée, entre guillemets, isolée, individuelle, des familles monoparentales, des jeunes femmes, qui n'ont pas droit, de par leur traitement, leur niveau de traitement, qui est pourtant pas très élevé. Une infirmière débute à 1 450 € à peu près par mois, et donc elle a droit à quasiment aucune prestation. Il faut qu'on réfléchisse, effectivement, à pouvoir donner... par rapport à ses attentes, des prestations adaptées à ce jeune public. Et là, ça passe effectivement par plus de communication, plus de... essayer de comprendre quelles sont ses attentes, dans une... essayer de garder cet esprit de solidarité, surtout qui a fait l'originalité et qui fait le ciment du CGOS. Ben bonjour, Bénédicte Carlin, je travaille au CHU de Poitiers. Et je suis référente au niveau du logiciel de dictée numérique et reconnaissance vocale qu'on déploie sur tout l'hôpital. Qui donc ? Oui. Et ça consiste en quoi ? C'est-à-dire la reconnaissance vocale, donc les médecins dictent leur courrier, c'est retranscrit en texte au niveau du, enfin, dans un document Word. Après, les secrétaires écoutent et corrigent le document. Voilà. Et votre formation sans discrétion, c'est quoi ? Alors, moi, ma formation de base, j'ai un bac sciences médico-sociales et puis un BTS assistant de direction. D'accord. Ah. Et vous êtes dans le métier depuis combien de temps? Alors, je suis dans la fonction publique depuis à peu près 10 ans. Donc, j'ai fait des remplacements dans des secrétariats médicaux, administratifs. Et puis, j'ai fait 3 ans en tant qu'acheteur aussi à l'hôpital. D'accord. Et maintenant, je suis sur cette mission. Et le CGOS, ça vous parle? Le CGOS, oui, bien sûr, ouais. En gros, si vous devez le qualifier, c'est quoi? Comment le qualifier alors? Est-ce que vous en êtes bénéficiaire? Oui, j'en suis bénéficiaire. Bah, les prestations chaque vacances, les prestations garde d'enfants aussi, sont bien pratiques. Après, il y a tout ce qui est au niveau des sorties, loisirs, etc. Quel sens pour le CGOS ça a d'être présent dans ce salon? Alors, il est très important et de tradition que le CGOS ait un stand dans ce salon, puisque c'est un grand moment de rendez-vous des hospitaliers qui donne l'occasion de promouvoir l'image du CGOS et de l'ensemble des actions sociales
qu'il offre aux agents hospitaliers. Vous avez assisté à une séance de magie, donc on peut dire que le séjour, c'est un peu magique. Complètement, oui, oui. Vous êtes agent hospitalier ? Tout à fait, je suis acheteuse au centre hospitalier de Lens. Le CGS participe à hauteur de 50%, un peu plus même, au niveau des remboursements des centres. Et on sait que beaucoup de personnes sont dans la difficulté. Oui, oui. On pense aux familles monoparentales, mm-hmm. on pense aux gens qui sont dans la difficulté mm-hmm. de façon générale. Est-ce que le CGS a une place importante pour accompagner ces personnes qui sont oui, 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 parce que justement, que ce soit qu'on ait des problèmes de divorce ou d'autres difficultés, il y a toujours une aide qui n'est pas négligeable, hein, que ce soit pour la défense au niveau des divorces ou même au niveau des logements, il y a des aides qui sont très importantes. Hein, oui, 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 oui. On va dire que le CGS, il est là quand ça va bien, mais aussi quand ça ne va pas très bien. Tout à fait, exactement, oui, c'est vrai, c'est bien de le signaler, exactement, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe là ? Si on tord ça encore avec le doigt comme ça, ça fait un souvenir impossible du spectacle et une magnifique œuvre. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Music. Experience. Music. Bon, alors comment ça se passe ? Là c'est 50 ans, c'est 50e, non c'était il y a 2 ans. Oui, 3 ans même, 2010. Ah ouais. C'est les anniversaires qui se poursuivent. Bon, donc cette année a été... Un tour de magie peut-être pour améliorer les situations. Ah, on pourrait essayer. On peut essayer, moi je veux bien. Les personnels hospitaliers ont été beaucoup fragilisés par les réformes successives. Quel message voulez-vous leur donner aujourd'hui ? Mon message en direction des personnels hospitaliers, c'est que l'hôpital a besoin de tous et que je sais les conditions parfois difficiles dans lesquelles travaillent les personnels hospitaliers. C'est pour eux que j'ai lancé le pacte de confiance à l'hôpital parce que au cours des années passées, on avait trop laissé entendre que l'hôpital était une charge, que l'hôpital était un coût et qu'il fallait aligner la gestion de l'hôpital sur celle des établissements privés. Je l'ai dit clairement, la page de la loi HPST est tournée et c'est avec les personnels hospitaliers, dans leur diversité, pour les personnels hospitaliers, pour les patients, que je veux aller de l'avant. Des négociations sont d'ores et déjà engagées qui doivent permettre d'améliorer les conditions de travail, de revaloriser la situation de certaines catégories de professionnels, d'améliorer aussi les relations entre les soignants et les personnels administratifs. Vous avez visité de nombreux établissements, services d'urgence, hôpitaux, vous avez donc été en contact avec les personnels, vous avez pris la mesure et de leurs compétences, mais aussi des difficultés dans lesquelles ils travaillent. Il y a une action sociale qui est destinée à ces personnels-là, notamment organisée par le CGOS, qui vient de fêter ses 50 ans il y a quelques années. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Tout ce qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de travail est une bonne chose. Et tous ceux qui participent à faire en sorte que l'hôpital soit un lieu de travail, un lieu de vie, un lieu de qualité, doivent être soutenus. Et je me réjouis des actions menées en ce sens par le CGOS. Music. Experience. Music. Experience.